Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer les 10 nouvelles fonctionnalités Canva de l'été 2022. Mais en plus de vous les montrer, je vais surtout vous expliquer comment vous allez pouvoir vous en servir. Et vous verrez, ces nouvelles fonctionnalités vont vraiment devenir vos meilleurs alliés. Je suis Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elson Meraki et nous avons pour mission d'accompagner les femmes à digitaliser leur expertise avec style. Alors c'est parti pour la toute première nouveauté que Canva vous propose cet été. Cette première nouveauté, ce sont les formes avancées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un design, n'importe quel format, pour vous montrer de quoi il s'agit. Alors moi j'aime bien toujours prendre le format présentation pour avoir vraiment beaucoup d'espace pour pouvoir vous montrer les choses, donc je vais prendre ce format là, mais vraiment ça marche avec n'importe quel format. Si vous allez un petit peu traîner dans les éléments, vous avez comme d'habitude votre petit encart ligne et forme. Vous pouvez faire afficher tout, et donc là vous avez donc accès à plusieurs types de lignes, à plusieurs types de formes, et si on descend un tout petit peu, on a également d'autres types de formes un peu plus travaillées, disons, juste en dessous. Ici, on va s'amuser avec les formes classiques qu'on retrouve dans cette première partie. On va prendre un carré. Avant, si vous vous souvenez bien, quand nous mettions un carré sur notre feuille, eh bien, je vais le faire avec une forme autre. Eh bien voilà, on a tout simplement notre carré qui se met dessus. Donc ici, on a la possibilité de modifier la couleur intérieure et puis la couleur de bordure, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Désormais, maintenant, quand vous allez importer des formes qui se trouvent dans cette première section, vous allez pouvoir avoir accès à de nombreux réglages supplémentaires. Vous voyez ici, il y a des petits onglets que nous n'avions vraiment pas avant. Nous avons l'onglet forme, couleur et même des onglets de police. Alors on va voir de quoi il s'agit. Le tout premier onglet forme va vous permettre de modifier en un clic la forme. Tout simplement. D'accord? Donc en un clic, vous pouvez vraiment modifier votre format de votre forme. Le second bouton, ça ne change pas, c'est pour mettre la couleur. D'accord? C'est pour changer la couleur de votre forme. Juste à côté, on a un petit bouton qui va vous permettre de travailler la bordure de votre forme. Donc soit vous travaillez avec zéro bordure, soit ici vous avez quatre styles de bordure différents, donc une ligne complète, deux tirés, trois tirés et des petits points. Donc on va prendre les petits points, donc si hop, je sors là et que je zoome un peu, donc là vous voyez, on a bien nos petits tirés qui se mettent là. Je peux changer mon style et donc là vous voyez vraiment le style de bordure qui modifie. Vous allez pouvoir vous amuser avec l'épaisseur de la bordure, faire quelque chose de très très épais, de plus ou moins épais, d'accord? Et vous allez également pouvoir vous amuser avec les angles et les arrondir. Donc là on est sur un angle vraiment carré et on va pouvoir agrandir cet angle là comme on le souhaite pour avoir des angles plus ou moins agrandis. Donc là on est d'accord, cette bordure noire c'est vraiment pas joli. Je vais pouvoir également modifier la couleur de ma bordure en cliquant sur ce deuxième petit icône qui s'est affiché ici, couleur de bordure. Et donc là je vais pouvoir mettre la couleur de la bordure de mon choix, je mets ce que je veux. Donc on va mettre celle-ci par exemple. Également, ce qu'on peut désormais faire, eh bien, c'est qu'on peut ajouter du texte directement dans sa forme. Donc là, j'ai sélectionné ma forme et si je clique de nouveau, on voit ici qu'on a notre petit curseur de texte qui clignote. Donc, ajouter du texte dans les formes. Et donc là, ça marche comme une zone de texte, d'accord? On va vraiment pouvoir modifier notre police, d'accord? On va pouvoir modifier la taille, on va pouvoir modifier la couleur. On va pouvoir également modifier l'alignement. Voilà, on peut vraiment toucher à tout. On peut vraiment ajouter du texte facilement. Alors qu'à l'époque, il fallait vraiment... Donc là, je vais un petit peu dézoomer. Mais si on avait une petite forme comme celle-ci, par-dessus, si on voulait rajouter du texte, vous voyez, là, en double-cliquant, je ne peux rien faire. Il fallait vraiment aller dans les zones de texte pour ajouter une zone de texte par-dessus et l'ajouter, en fait, sur notre forme. Maintenant, vous pouvez vraiment tout faire en un seul clic. Puis après, cette forme, vous pouvez la déplacer, l'agrandir, la modifier comme vous voulez. Donc, c'est assez pratique. Donc là, je vais encore augmenter la taille du texte, d'accord, pour vous dire.
Ce qui est également possible, c'est qu'avec les lignes, donc toujours dans les éléments et toujours dans les formes, eh bien vous allez pouvoir connecter les éléments entre eux. Donc imaginons ici, je vais simplement dupliquer, d'accord, cet élément-là. Je vais juste le changer de couleur rapidement pour qu'on ait autre chose. Hop, texte numéro 2. Donc là, c'est vraiment pour, hein, pour avoir autre chose et vous montrer. Si je veux relier mes deux zones, avant, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, j'ajoutais une ligne sur mon design et puis j'allais un peu la tourner, voilà, la faire plus petite pour relier mes deux zones. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, quand je sélectionnais et que je reste appuyée, qu'est-ce qu'on peut voir? Autour de ma première zone en haut, on peut voir des petits points. D'accord? Et si je fais glisser ma ligne par-dessus, ma ligne va se connecter à ces différents points. D'accord? Donc on va le connecter là. Et on va faire la même chose, on va la connecter à la forme numéro 2 du bas, tac, et on la connecte ici. En termes de ligne, ça fonctionne de la même manière, hein, on peut s'amuser avec le style de la ligne. Et ce qui est bien, c'est que quand vous allez déplacer votre forme, eh bien vous voyez, votre ligne va se déplacer avec votre forme. Donc c'est ça qui est vraiment très simple. Donc voilà donc pour cette première nouveauté qui vous permet finalement d'apporter des modifications avancées sur vos formes. Nous allons tout de suite passer à la deuxième nouveauté que Canva vous propose cet été. Ce sont les sites internet. Alors à l'époque, il était possible de créer une page avec Canva et de le publier ensuite en tant que site internet. Ça existe toujours, mais aujourd'hui, Canva a vraiment une nouvelle branche qui s'appelle Canva Website et qui vous permet de créer vraiment comme un vrai site. Donc, pour accéder à cette fonctionnalité, vous pouvez aller sur la page d'accueil et puis vous pouvez tout simplement dans la barre de recherche taper site. D'accord? Vous allez hop dans les modèles et donc là vous voyez on a plusieurs choses ici. Donc vous pouvez aller sur celui-ci, site web. Et donc là vous allez avoir le format site web. Donc ici Canva nous propose différentes petites choses. Donc ici on a vraiment plein de templates prêts à l'emploi. Donc vous pouvez soit partir avec un modèle vierge, soit avec un template. Donc ici on va partir avec un template pour vraiment vous montrer de quoi il s'agit. Donc on va prendre par exemple celui-ci. On va le sélectionner. Et donc là, en fait, on a ce qu'on appelle un site web avec une seule page. Aujourd'hui, avec cette nouveauté Canva, vous pouvez créer un site web avec une seule page. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir renvoyer vers d'autres pages sur votre site. D'accord? C'est vraiment une page sur laquelle il y a de l'information. Donc ça peut être une page d'information, une page pour un événement spécifique, ça peut être une page qui présente vos services. Donc voilà, c'est vraiment une seule page que vous allez pouvoir créer aujourd'hui. Ça fonctionne exactement de la même manière qu'avec l'éditeur classique de Canva, où vous allez pouvoir faire glisser des vidéos, des formes, des photos, du texte, etc. Et donc vous voyez, ça se présente comme ceci, vraiment comme une page où on peut défiler. La nouveauté ici, c'est que maintenant, on peut donc cliquer sur le bouton aperçu et là, Canva nous propose finalement, comme un vrai site internet, de redimensionner automatiquement votre site à d'autres formats, donc ce qu'on appelle les formats responsive, c'est-à-dire les formats mobiles et les formats tablettes. Donc, vous voyez, si je clique ici sur le petit format téléphone, eh bien, le site va passer automatiquement au format téléphone. Ça se fait tout seul, ce redimensionnement se fait automatiquement. Donc ça, c'est par rapport à ça. Et ensuite, une fois que vous serez prête à publier votre site, vous pouvez cliquer ici. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que vous allez pouvoir utiliser les domaines gratuits de Canva. Donc je crois que c'est canva.site, d'accord? Mais vous pouvez également acheter un nom de domaine personnalisé via Canva pour avoir votre propre URL. Donc ici, par exemple, ça pourrait être estelle.darcy.com au lieu de estelle.darcy.canva.site.com. D'accord? Et vous pouvez également relier ça vers un domaine existant que vous possédez déjà. Donc là, on va garder le domaine gratuit. On va faire continuer. Et je vais pouvoir choisir le sous-domaine. Donc là, on va prendre Estelle, hop, Darcy. D'accord? Et vous voyez que l'extension, c'est .mycanva.site. Et on fait continuer. Alors là, le point, ça ne lui va pas. Donc on va mettre le trait du nom. Je pense que ça devrait le faire. Ici, donc, on voit l'URL.
Ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir modifier l'aperçu de l'onglet navigateur. C'est le petit favicon. Le favicon, c'est quoi? Eh bien, c'est ce petit logo que vous voyez ici. D'accord? Quand vous avez des onglets ouverts, vous pouvez repérer rapidement vos onglets. Donc ici, vous pouvez tout à fait modifier ce petit icône pour avoir votre icône personnalisée. Vous allez également pouvoir ajouter un descriptif du site internet. Donc ça va être assez pratique pour tout ce qui est SEO. Alors, bien entendu, ce n'est pas avec une simple page sur Canva que vous allez finir dans les premiers résultats de vos recherches sur Google. Mais voilà, on a une toute petite partie dans laquelle on peut optimiser le descriptif de son site. Et ce qui est pareil, c'est qu'on a deux options avancées. C'est qu'on peut protéger cette page-là par un mot de passe. Donc, si vous voulez donner l'accès, par exemple, à vos clients, à cette page-là, vous pouvez tout à fait protéger votre page avec un mot de passe. Et puis, vous pouvez également décider de masquer votre site web des moteurs de recherche. Et ensuite, vous pourrez publier votre site internet. Donc voilà pour cette nouveauté. Sachez qu'elle est accessible pour les comptes gratuits comme pour les pros. Avec le compte pro, on a des fonctionnalités avancées, notamment on peut créer un nombre illimité de sites internet. Voilà donc pour cette deuxième nouveauté Canva. Ensuite, nous allons passer à la troisième nouveauté. Donc hop, je vais partir d'ici. Et on va retourner eh bien, sur notre fameuse petite présentation que nous avons ici. Sur Canva, vous le savez, vous avez cette option pour animer tous les éléments d'une page, pour animer seulement des formes. On peut faire pas mal de choses. Mais c'est vrai qu'il y a tellement d'animations, et eh bien qu'on peut vite se perdre et qu'on a envie d'animer finalement plein de choses. Donc par exemple, mettre un petit peu d'animation chute. Après, sur la forme, on a envie eh bien, de mettre une autre animation. Sur le texte, on veut mettre une autre animation. Et en fait, finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on commence à avoir énormément d'animations et ça commence à faire un petit peu pas très joli esthétiquement parlant. Pour vous éviter ça, Canva a désormais créé quelque chose qui s'appelle les combinaisons. Ce sont des combinaisons qu'il vous recommande d'animation. Donc, c'est lui, en fait, qui vous propose des petites choses. Vous en avez plusieurs. Et il les compose vraiment en fonction de votre design. Donc, c'est pas mal du tout pour éviter tout ce qui est faute de goût en fonction d'animation sur votre design. Voilà donc pour cette troisième nouveauté. Nous allons maintenant passer à la quatrième nouveauté Canva. Ce sont, pour les présentations, des mises en page déjà préconçues. Donc là, ça va être disponible seulement sur le format présentation. Si vous allez dans l'onglet modèle, vous pourrez voir un nouveau sous-onglet mise en page. Et donc ici, vous allez vraiment avoir des mises en page par défaut que Canva a créées pour vous. Et pour vous simplifier la vie, donc ce sont des mises en page dans lesquelles vous n'aurez plus qu'à ajouter simplement vos titres, vos couleurs et vos images. Donc vous voyez, vous en avez vraiment, je pense qu'il y en a une cinquantaine pour vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans vos créations. Et surtout, elles sont conçues en fonction de votre charte graphique. Donc là, je vais ajouter une page. Donc on va pouvoir par exemple ajouter la page agenda. On va pouvoir ajouter une page avec un petit diagramme, une page avec la citation. Et donc, vous voyez ici, on a toutes ces mises en page qui se mettent automatiquement. Et après, vous n'avez plus qu'à modifier tout simplement votre texte. Si vous cliquez sur le petit bouton que vous voyez ici, au niveau des mises en page, donc la petite palette, vous pouvez également cliquer sur marque pour vraiment choisir votre identité visuelle, l'appliquer. Et donc là, vous voyez, il applique toutes les couleurs de votre charte graphique. Alors que tout à l'heure, nous étions en auto. Donc en auto, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a simplement repris les couleurs qu'il a retrouvées sur la première slide. Donc ça vous permettra vraiment de gagner du temps et de ne pas vous casser la tête en vous disant, mais comment je vais pouvoir présenter l'information? En allant dans les mises en page des présentations, c'est fait ultra simple. Alors la cinquième grande nouveauté que Canva propose, eh bien, ce sont les MOOC. Qu'est-ce que c'est que les MOOC? Vous le savez peut-être, ce sont en fait des présentations physiques presque de d'e-books, sites internet, de choses comme ça. Donc nous, on s'en sert très souvent pour vous montrer à quoi ressemble par exemple l'intérieur de notre Académie Meraki. Donc je vais aller chercher un modèle. Donc vous voyez ici, on a un aperçu d'un cahier, on a une interface qui est mise dans un ordinateur. Donc tout ça, en fait, ce sont des mock-up. Avant, Canva proposait
quelques mock-ups. Donc c'était assez pratique. On pouvait, en ajoutant une image, donc par exemple ben, voilà, cette image-là, je pouvais très simplement en cliquant dessus, en allant sur modifier l'image, en descendant un tout petit peu, ici on pouvait voir l'onglet Smart Mockup. Si vous ne le voyez pas, descendez beaucoup plus bas, il sera dans les applications qui pourraient également vous plaire. Vous cliquez dessus et ça se mettra automatiquement là. Et donc là, vous pouvez faire des petites choses assez sympas, notamment, vous voyez, au niveau du téléphone. Donc si je prends cette présentation-là, eh bien, mon image va se mettre automatiquement dans le téléphone. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des mockups. Aujourd'hui, Canva a énormément agrandi sa base de données puisque maintenant, vous avez désormais accès à 8000 modèles de mockups différents. Oui, c'est énorme. Donc pour y accéder, vous pouvez revenir sur la page d'accueil de Canva. Et puis, vous descendez un petit peu et là, dans les outils, vous verrez quelque chose qui s'appelle Smart Mockup. Et donc là, vous voyez, vous allez avoir accès à leur immense bibliothèque de tous les mockups qu'ils vous proposent. Donc, c'est rangé par catégorie, technologie, imprimé. Donc là, ça va être pour les livres, les brochures, les posters, pour faire des mises en scène extérieures. Vous avez la catégorie packaging. Donc ça va être bien pour tout ce qui est cosmétiques, boissons, etc. Vous avez une catégorie vêtements. Vous voyez, vous avez plein de choses. Et puis une catégorie maison et salon pour mettre ça sur des bougies, des ballons, des choses comme ça. Donc c'est vraiment très sympa. Il vous suffit de cliquer tout simplement sur le modèle qui vous intéresse et de glisser votre création à l'intérieur. Donc vous verrez que la plupart des modèles sont accessibles pour la version pro de Canva, mais vous avez des modèles où vous n'avez pas la petite couronne, donc vous pouvez vous en servir avec la version gratuite de Canva. Donc on va par exemple prendre des modèles PC bureau. Donc là, il nous propose plusieurs choses. Il nous propose des choses simples, donc on a juste l'ordinateur, mais il nous propose des mises en scène intégrées, donc avec des jolis ordinateurs dans des jolis décors. On va par exemple prendre celui-ci. Hop. Et puis là, on va sélectionner ça. Donc là, on a nos différentes importations. Donc on peut importer une nouvelle création ou chercher un petit peu dans ce qu'on a ici. Donc là, on va prendre tout simplement l'image de notre site internet, faire sélectionner et hop, vous voyez, ça a mis directement l'image de notre site internet à l'intérieur. Et ensuite, il vous suffit de faire enregistrer la maquette. Donc ça, c'est pour vous en servir en passant directement par cet onglet Smart Mockup. Mais sachez que si vous passez également directement par votre création, hop, donc on ajoute une image, on clique sur modifier l'image. On va sur Smart Mockup et donc là, vous aurez accès aussi à des mockups, donc vous en aurez moins, d'accord? Mais ça vous permet aussi d'y accéder plus rapidement. Ce sont les mockups qui sont les plus utilisés. Donc là, on a vraiment plein de choses, hein. On va prendre un mug, ça ne sera pas du tout pertinent sur un mug, mais voilà, c'est pour vous montrer ce que vous pouvez un petit peu faire avec les mockups. Maintenant, passons aux 5 dernières fonctionnalités Canva, aux 5 dernières nouveautés qui sont plus petites, d'accord, qui sont moins importantes, mais nous avions tout de même envie de vous en parler puisque, selon nous, ben, elles sont quand même importantes. Sixième nouveauté, c'est la possibilité de pouvoir ajouter beaucoup plus de pages à vos créations Canva. À l'époque, vous ne pouviez ajouter que 100 pages, d'accord, à votre création. Donc ici, on pouvait ajouter que 100 slides. Maintenant, cette limite n'existe plus, donc vous n'êtes plus limité en termes de pages dans vos designs. Septième nouveauté, alors vous le savez sûrement, mais on peut ajouter des photos, des graphiques, etc. dans ces dossiers. Donc s'il y a des graphiques que vous utilisez souvent, c'est assez pratique de pouvoir cliquer sur les trois petits points ici et de les ajouter au dossier. Donc ça peut être un dossier par exemple bien réseaux sociaux, utilisation récurrente ou des choses comme ça. Donc ça c'est très pratique, sauf qu'avant, eh bien, il était impossible de faire cela pour les stickers et pour les vidéos. Donc les vidéos, maintenant c'est désormais possible, ça marche de la même manière, on clique sur les trois petits points et on peut l'ajouter au dossier. Et pour les stickers, c'est la même chose. Donc les stickers, vous savez, ce sont les petits graphiques animés. Et bien on peut désormais également faire la même chose en cliquant sur les trois petits points et ajouter au dossier. Cela vous permettra d'enregistrer vos éléments favoris et de les retrouver très rapidement.
Huitième nouveauté Canva, eh bien Canva a enrichi sa bibliothèque d'audio. Donc vous savez, dans Canva, vous avez accès à de nombreux audios, à des musiques, et maintenant vous avez désormais accès à des bruitages et à des effets sonores, donc à des bruits d'eau, des sonnettes, des téléphones qui sonnent. On va vraiment avoir accès à plein de bruitages assez sympathiques que vous pouvez utiliser sur n'importe quel format finalement de présentation. Donc ici, par exemple, si j'écris le mot eau, je vais faire une recherche en français. Si j'écris voilà le mot eau, et bien vous voyez qu'on a plein d'effets sonores par rapport à de l'eau. Donc par exemple, donc là c'est vraiment le bruit d'un objet qu'on sort de l'eau. Ici ça va être des gouttes d'eau. Vous voyez, en cliquant sur le petit bouton de lecture, on peut avoir un aperçu sonore. Donc là, ça vous permet vraiment d'apporter finalement un côté beaucoup plus réalistique à vos créations. Si vous faites des petites vidéos pour vos réseaux sociaux, eh bien vous pouvez ajouter des petits éléments comme ça. Donc on n'a pas que des bruits d'eau, hein. On a aussi des sonneries. Un petit téléphone qui sonne. Donc on a pas mal de choses différentes, et pour vous aider, donc vous pouvez taper les mots-clés, moi je préfère les taper en anglais pour être sûr qu'il y ait quand même plus de résultats de recherche, sait-on jamais, et puis vous pouvez également affiner votre recherche en cliquant ici sur les petites réglettes, et là vous avez un nouveau type, donc vous avez les voix, les instruments, et désormais vous avez les effets, ce qui vous permet finalement d'accéder à tous les effets. Donc là vous voyez, on a plusieurs effets. Ces effets-là, ils sont accessibles seulement pour la version pro de Canva. Vous voyez, là, j'ai sélectionné effets. On va quand même sélectionner gratuit. Vous voyez, on n'a pas d'effet pour la version gratuite de Canva. Donc là, pour avoir accès à ces effets, il faudra passer par la version pro de Canva. Passons désormais à l'avant-dernière nouveauté. Ce sont les collections d'éléments. Donc si on va dans les éléments, qu'est-ce qui se passe? Souvent, eh bien, on a tendance à ajouter des petites choses, d'accord, qui sont pas vraiment du même univers graphique, d'accord? On commence à avoir plein de choses différentes, et c'est vrai qu'il peut être difficile de garder une cohérence dans ces éléments. Sachez désormais que Canva a créé pour vous des collections. Vous êtes dans l'onglet éléments, vous descendez beaucoup plus bas, et tout en bas, ici, vous verrez la section collections. Ça regroupe des éléments graphiques qui sont identiques afin de vous aider à garder une cohérence. Donc, par exemple, je ne sais pas lequel on peut sélectionner. Donc, vous voyez, il y en a vraiment plein. On va pouvoir prendre par exemple celui-ci. Et donc là, vous voyez, Canva nous regroupe dans une même collection des éléments graphiques qui sont vraiment identiques et qui s'accordent bien. Donc ça peut vous permettre de gagner un certain temps et de respecter une certaine cohérence sur vos créations. Dernière nouveauté, eh bien, c'est ce petit onglet que vous pouvez voir ici. C'est l'onglet statistiques. Cet onglet statistiques, ça va vous permettre d'obtenir des statistiques sur vos créations, notamment lorsque vous allez les partager. Donc si on clique ici, vous pourrez voir le nombre de vues, les personnes qui ont les visiteurs uniques, c'est-à-dire qu'une personne peut voir 10 fois votre page, hein, donc là on peut avoir 10 et là 1, et les collaborateurs, donc le nombre de personnes qui ont collaborer sur cette création-là. Pour avoir accès à ces données, il faut partager votre création, d'accord? Donc là, vous partagez le design, donc soit auprès d'adresse mail directement, soit via un lien, d'accord? Et vous pourrez ainsi avoir accès aux statistiques, donc de vues, les consultations, d'accord? Et puis, vous pourrez également voir sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui s'est un petit peu passé. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui vous permet d'avoir accès à des petites informations qui vous seront notamment très précieuses pour votre site internet. Vous vous souvenez, on a vu cette nouveauté au tout début. Si vous décidez de créer une page unique pour une présence sur Google, pour avoir un site internet, vous pourrez très simplement utiliser cet onglet statistique pour voir le nombre de personnes qui sont allées sur leur site, sur votre site, le temps qu'ils y ont passé, quelle est la source d'où ils sont venus. Est-ce que c'était une recherche Google? Est-ce que ça vient d'une plateforme sociale? De quel pays viennent les personnes? Donc ça vous permettra d'obtenir des données avancées sur les personnes qui consultent vos créations.
Voilà donc pour ces 10 nouveautés Canva de l'été 2022. On espère que ces nouveautés vous plaisent et que surtout vous allez pouvoir aller tout de suite les découvrir et vous amuser un petit peu dans Canva. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle est votre nouveauté préférée et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, on se fera un plaisir de vous répondre. Et on vous dit à très vite !